Linda, tu nous dis sur Facebook, on arrive à Paris en fin d'été, je suis resté un an sans frigo ni télé, ni EDF. C'était dur, mais un choix. Ah, j'étais jeune. Bon, on va être jeune. Ici au Liban, 14 heures sur 24, électricité au groupe électrogène pour 5 ampères. Plus de banque, pas de PayPal, et l'eau, chaque 2 jours, 2 heures. Heure d'eau non potable. Ouais, bah c'est la prison, quoi. C'est un peu la prison, quoi. Qu'est-ce que vous pensez encore de ces restrictions ? J'ai Eric qui nous dit sur Facebook, bientôt pénurie d'argent aussi. Faites vos réserves. Les compteurs Linky leur permettent de couper à distance. Oui, le Linky, il est là pour ça. Hein. Il est là pour vous dire, bah, vous êtes des irresponsables, vous ne savez pas gérer. Et comme vous ne savez pas gérer, on va modifier votre consommation pour justement gérer à votre place. Là et là, la chance n'existe pas. C'est pas une question de chance. On fait avec ce qu'on a, c'est tout. En tout cas, abonnez-vous. Vous avez de la chance aussi. Abonnez-vous et invitez vos contacts. Récupérez le lien pour envoyer dans vos réseaux, groupages et profils. Et si mercredi, jeudi et vendredi, la semaine prochaine, vous voulez consulter de la vidéo en exclu, eh ben, ce sera de la vidéo que j'enregistre, non pas en direct, et que je mettrai sur YouTube pour l'accès vidéo, l'accès live, et vous l'aurez. Mais il ne faut pas appuyer sur le bouton rejoindre. Et après, c'est l'accès vidéo et l'accès live. Je vais vous répéter tous les jours. Et ça fait partie du soutien pour la chaîne, hein, du soutien pour l'indépendance. Et pour pouvoir justement proposer de nouvelles choses régulièrement. Je pense que nous sommes assez forts pour supporter leur désir de nous emmerder. Alors, on remet en question beaucoup de choses actuellement. On remet en question même l'énergie. Donc ça me semble important de remettre en question beaucoup de choses. Cette idée du Linky, avec cette idée d'un peuple irresponsable, c'est catastrophique. Hein. Certains le sont peut-être, irresponsables. Mais de décider pour tout le monde, pour imposer un Linky en France entière, déjà ça, rien que ça... Alors si vous voulez déménager, vous devez savoir un petit peu où vous allez aller. Est-ce que vous allez choisir vos voisins ? Est-ce que vous allez voir s'il y a le compteur Linky pour un accès à distance ? Attention. Alors, Chantal, les télé mainstream ne pourront plus hypnotiser les gens 24 sur 24. En Suisse, l'article nous précise... je ne sais plus qui dit ça. Quel responsable dit ça ? Est-ce qu'il s'agit d'un responsable ? Pour l'article sur la Suisse, là... On nous précise que l'électricité pourrait être coupée, mais pas pour la télévision. Vous pensez vraiment qu'on va couper la télévision ? Non, la télévision, comme les services d'urgence, la télévision est une urgence. Ils vont couper certaines choses, mais pas la télé. Apparemment. La télé, on va couper la télé quand même. Alors, attention, pas la télé. Dans certaines agences IMO, c'est parfois précisé sans Linky. C'est un critère de qualité. Ouais. Bah, les produits essentiels, la télé, tu peux pas la couper. Alors, il faut que je récupère dans l'article avant de vous laisser pour cette première partie, parce que là, ça me semble vraiment terrible. Alors, plutôt plus bas. Je vous lis ensuite. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, ça ? C'est les Suisses qui le précisent. Je ne sais pas si c'est monsieur, le responsable de l'électricité là-bas. Alors, dans Paris, cas sur ordre des autorités, les opérateurs électriques devront couper le courant durant 4 heures sur l'ensemble du pays, toutes les 8 heures, y compris pour les ménages. Seules certaines infrastructures considérées comme essentielles seraient épargnées. Seules certaines infrastructures considérées comme essentielles seraient épargnées. Écoutez bien, les hôpitaux, les services de secours et de sécurité, les systèmes d'approvisionnement en eau ou l'émission d'ondes radio et télévisuelles. L'essentiel.